Tout au long de ce spectacle de danse, nous avons cherché à montrer comment l'artiste réfléchit sur sa propre discipline. Comment fait-il pour créer? Quelles sont ses difficultés, ses luttes internes et ce à quoi il se raccroche? Face à son pays qui part en déroute, en tant qu'artiste et en tant que Chinois, quelle attitude adopte-t-il? Quel choix fait-il? Nous avons résumé cela en deux idées principales, la valeur morale et la valeur artistique que l'on retrouve tout au long du spectacle. Quand j'ai vu Dong Huaxing qui joue le rôle de Mei Langfang dans un autre rôle où il interprétait Xu Meilan, j'ai vraiment été impressionné. Quand j'ai décidé de travailler sur le spectacle de Mei Langfang, je me suis dit, même si cette œuvre n'est pas originaire du Liaoning, ça n'en reste pas moins une œuvre chinoise. La distribution des rôles est très importante pour ce spectacle. On a beau avoir un bon producteur, un bon chorégraphe et une équipe innovante, si celui qui interprète Mei Langfang ne joue pas bien, tout cela ne sert à rien, car c'est sur lui que tout repose. Je pense vraiment que mon destin et celui de Mei Langfang sont liés. En 2009, j'ai participé à une compétition de danse nationale. Et une partie de la compétition consistait à interpréter une danse sur Mei Langfang. C'est lui qui a créé le geste des doigts en orchidée. Le mouvement des mains des hommes n'est pas aussi beau que celui des femmes. Donc, quand je danse, que j'exécute les mouvements, il faut vraiment que je fasse attention aux gestes de mes mains. Quand on doit interpréter des rôles féminins, il faut vraiment insister sur le geste des mains pour que ce soit réussi. Quand on m'a attribué le rôle de M. Mei Langfang, pour le mouvement du maquillage des sourcils, je me suis inspiré d'un voyage que j'avais fait à Beijing. Nous allions bientôt jouer le spectacle. Mais avant, je me suis rendu dans la demeure où a vécu M. Mei Langfang pour y déposer des fleurs. Il habitait dans une cour carrée où aujourd'hui on peut voir ses costumes de scène et des photos de lui qui sont exposées. Il y a aussi des vidéos et tous les gestes de main qu'il a inventés. Chaque geste a été photographié et accroché au mur. J'ai même interprété une danse dans sa cour en guise de souvenir.
Porter des drapeaux dans le dos et des chaussures compensées, ce sont vraiment des particularités de l'opéra de Pékin. Ce type d'opéra a son propre langage. C'est vraiment sur le style pékinois que nous avons voulu mettre l'accent tout au long du spectacle de danse. C'est pour ça que nous avons dû faire attention à chaque détail et au contenu. Le spectacle dans son ensemble a été construit sur une histoire de l'opéra de Pékin. Nous avons trois danses de groupe dont la caractéristique est que tous les danseurs sont munis de drapeaux dans le dos. Ils défilent comme dans le rêve de Mei Lanfang, d'où le choix de drapeau bleu, qui dans ce contexte symbolise le calme, mais aussi la nuit et la profondeur. Dans la deuxième danse de groupe, nous avons voulu représenter l'arrivée des envahisseurs. Et pour mettre en scène ce moment important dans son histoire, la couleur des drapeaux change. Cette fois-ci, les danseurs portent un seul drapeau noir dans le dos. Le drapeau est censé représenter une épée. J'ai voulu également que les danseurs portent des masques pour symboliser la mort et aussi la rigidité. Dans la toute dernière danse de groupe, la couleur des drapeaux dans le dos des danseurs est rouge. C'est la plus grande danse de groupe réalisée par nos danseurs dans ce spectacle. La couleur des drapeaux symbolise la victoire, la libération et la passion qui anime le peuple chinois.
Il y a quatre personnages autour du protagoniste Melan Fang, qui sont Sheng, Dan, Jing et Chou. Quatre rôles caractéristiques dans l'opéra de Pékin. On ne fait pas apparaître les vraies personnes dans la vie de Melan Fang, comme son épouse et son frère. Les personnages dans le spectacle sont à la fois les collaborateurs, mais aussi les quatre protecteurs de Melan Fang. Dan est un personnage à la fois charismatique et calme, dont les gestes doivent être exécutés avec précision. Le jeu des mains doit aller de pair avec celui du regard, par exemple. C'est un personnage enthousiaste et qui fait preuve de persévérance dans la famille des personnages de l'opéra de Pékin. Il ne se décourage pas quand il est confronté à toutes sortes de difficultés. Chou incarne la peur. Il est sujet à des grandes craintes. C'est pourquoi il y a parfois des exagérations dans l'interprétation de ce personnage. Mon rôle consiste à interpréter un personnage que Melan Fang imagine. Je suis la femme idéale telle qu'il se la représente. Ce personnage incarne la beauté, mais pas celle d'une femme fatale. Il s'agit de la beauté pure et divine. C'est un personnage difficile à interpréter, car si on n'est pas précis dans la gestuelle, on peut paraître aguicheuse, alors que c'est à proscrire. Donc j'ai beaucoup travaillé ces derniers mois, j'ai répété tous les jours sans exception. Thank you.
Comment avoir un angle de vue international dans la création de ce spectacle? Que l'on soit chorégraphe ou maître de ballet, lorsqu'on crée un spectacle, il faut avoir ses propres idées pour la mise en scène. Dans le cas de Mei Lanfang, je me suis toujours dit qu'il fallait avoir une partie théâtre sur scène. Donc, des fois, je m'asseyais et je réfléchissais tranquillement, en me disant que ça allait être vraiment beau. Au moment où les rideaux s'ouvrent, on voit une scène avec un décor réduit à l'essentiel. Pendant que Mei Lanfang arrive en marchant lentement sur scène. Nous avons réussi à mettre en place une idée que j'avais eue tout au début, à savoir suspendre un grand cadre rouge au-dessus de la scène qui représente la scène telle que Mei Lanfang se l'imagine. Et au sol, nous avons mis un tapis rouge qui fait écho au cadre. Il arrive qu'on descende le cadre. Donc, dans la première moitié de la première partie, quand Mei Lanfang est entouré de Sheng, Dan, Tin et Chou, le cadre descend doucement vers eux. Parfois, Mei Lanfang s'éloigne et revient vers ses quatre alliés pour signifier qu'il a une façon de penser différente. Pour représenter l'effondrement du pays, j'ai fait en sorte que le cadre descende peu à peu vers le sol et qu'il s'incline. En ce qui concerne la musique, ce que le compositeur et moi nous voulions, c'était d'avoir une musique qui inclut des spécificités de l'opéra de Pékin. Il fallait que la musique ait cette particularité tout au long du spectacle. Nous voulions que ces spécificités de l'opéra de Pékin soient bien incorporées dans la musique du spectacle, sans pour autant avoir à inclure beaucoup d'extraits d'opéra. C'est ce à quoi nous avions pensé. Nous ne jouons le très célèbre morceau de la concubine ivre qu'à la fin du spectacle. Pour cela, nous avons invité le chanteur Ding Xiaojun qui interprète le morceau a cappella.